Hello, hello, bonsoir, 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 bonsoir. Oh putain, faut que je baisse le son de ce truc. Comment ça va bien? Comment ça va tout le monde? Bonsoir. Ouais, ça fait. J'ai dit que je viendrais peut-être lundi, mais j'étais très fatigué. Puis hier soir, j'ai pas la motive non plus. Tu viens ce soir? Bonsoir, monsieur gamer con. Ça va bien? Tu as une blague toute prête déjà? Oh oui, tu as une blague toute prête déjà. Mais je te dis, hein, moi quand je vais jouer, eh ben je vais jouer. Je te le dis. Hein. Pas maintenant? Bah, je te fais patienter alors. Ça va toi? T'as passé une bonne journée, ça a été? Tranquille? Non, bah oui, y a personne. Mais je sais même pas s'il y aura du monde, hein, honnêtement. Je n'en sais rien du tout. Bon, ça va, ça va, ça va. Le milieu de la semaine est passé, ça fait plaisir. En route vers le week-end. Par là, ça dépend des gens. Moi je vais par là ou par là, je sais pas. Ouais, ça a bossé aujourd'hui. Il y a eu du taf. Ça dépendra des alignements cosmiques vers un nouvel âge réminiscent. Seul Skippy. C'est à cause de Skippy tout ça. Non, seule la bague de Skippy est source de bonne modératrice de bonheur ou une connerie comme ça. Je crois que c'était ça. Je me souviens même plus, tiens. Oh. Et pourtant, je l'ai vu. Hein. Bosser. Medita Ewa. T'as bossé de 7 à 15? Ah bah dis donc. Ça te fait du bien de travailler un peu. Ça te fait pas de mal, je dirais. Bon, de retour sur FF9. Tiens, c'est ça que je voulais demander. Il y a une nouvelle IA sur Opera. Je lui ai demandé combien de temps pour faire FF9. Parce que je sais plus qui me l'avait demandé. De temps pour... Nier. Final. Neuf. Ça se trouve, elle va pas me répondre. La connasse. Dis ça au gars qui fait trop d'heures et qui est toujours à découvert. Ah bah ça, après, j'y peux rien si ta femme suce plus ton pognon que le reste. Hein. Oh, c'est pas gentil. Il est pas gentil. Non, c'est vilain. C'est vilain parce que si ça se trouve, c'est faux. Ou sinon tu te fais avoir mon pote. T'es mort. Une erreur, irréceptible. Vas-y, je saurai jamais. Voilà, l'IA marche pas. Va te faire foutre l'IA. On en dissite de vive voix. Dissite? Je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Je connais pas ce que ça veut dire à dissite. Ouais, mais j'ai fermé une fenêtre qu'il fallait pas moi. Voilà. Toujours rien. Bon bah. Sinon, il faut entre 40 et 100 heures. Ah bah, j'ai pas fini. La réponse a été interrompue. Mais va te faire fiche la réponse. C'est de la merde. Je suis sous toi là. Ah oui. Ouais, environ 16 heures minimum. Dans un sens, ça m'arrange, parce que quand je vois que je suis niveau 25, si j'étais proche de la fin, ça me ferait franchement peur. Parce que c'est rare de... Selon les informations en torrent, il n'y a pas de réponse précise à votre question, et reformuler la question. Ah. Bah, va te faire foutre, Léa, je l'ai déjà dit. Mais tu sais que si tu viens sur Discord, je vais t'interrompre à chaque fois parce que je vais faire les voix du jeu. Tu comprends ça, si je t'en discute. Attention, hein. Non, mais je me muterai. Pourquoi tu veux te muter? Par rapport à quoi?
Pas encore, mais je peux mettre. Choisissez une sauvegarde. Fente 1, chargé, bloc 01, Jidan, niveau 25, salle d'armes, château d'Alexandrie. 24 heures, 58 minutes, 08 secondes. 24 571 gil, bloc 2, bloc 02, bloc non utilisé. Bloc 03, bloc non utilisé. 1, aide. Et voilà. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Allez, viens. Salut, Makoyas. Tati. La forme. Putain, je t'entends super bas. Hein. T'es loin. Ouais, je suis loin. Ouais. Bouge pas, prends compte, j'ai mis à 148% et je t'entends super loin. Je t'ai mis à 148% sur Discord et t'es vachement loin. Ouais. C'est parce que là, je suis pas près de mon micro. Ouais, bah tu sais que c'est pas agréable d'avoir quelqu'un qui est vachement loin. Mais attends, je vais m'approcher. D'accord. Approche-toi. Allez, soir. Comment vas-tu? Bon, écoute, ça va, tranquille, et toi? Ouais, ça va, tranquille. Tu t'es encore éloigné? Non. Moi, je m'en fous. J'ai tourné la tête. Oh, mais je me prends pas. Non, je te crois pas. Je peux pas faire plus près. Regarde bien. Non, mais je veux pas te regarder, ça va pas la tête. Là, ici, là, je parle actuellement ici. Non, mais je te regarderai pas. Non, 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 moi je te regarde, tu vas faire un effort. Non. Alors, non, non, non. Neuf. Comme un neuf. Donc t'avais fait le We Are Here? Ouais, le premier, ouais, mais je l'ai fait. Il était gratuit. Bah, je crois qu'il était déjà gratuit ouais, à l'époque. Je l'ai fait ouais avec Steamerland. Mais il y a 3 ans et demi. Mais si un peu parce que merde. Bah déjà l'anglais. Attends, faut que je fasse quoi déjà? Non mais je t'entends pas, hein, t'es trop loin. Bon, c'est normal que ton petit garçon il ait une queue. Par contre, c'est pas normal que tu m'entendes pas. Je te dis, je t'ai mis à presque 150% et je te trouve super loin. Je vais regarder un truc, bouge pas. Pourtant, je sais même plus où faut que j'aille. Y'a rien ici. Je crois que t'as un souci sur le son de Discord qui t'augmente. Parce que moi, je viens de m'entendre parler de loin et on m'entend très fort. Je peux me casser mes oreilles. Alors, attends. Ah là là là. T'entends très fort, putain, c'est pourtant sur le. M'entends comment là? Bah, loin encore. En même temps, j'ai le son du jeu qui est vachement fort. Et si je le baisse, elle baisse sur le live, alors c'est chiant. Ouais, à peu près. J'ai débranché et rebranché mon micro. Là, ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, t'inquiète. Voyons voir. Hein, ça bouge pas. J'ai trouvé un petit jingle au fait pour. Ah oui! Je vais le faire moi-même. D'accord. Merde, j'ai craché mon bonbon. Enfin. Je viens de voir l'image, c'est trop fort. Le hookbook. J'ai craché mon bonbon à la menthe pour pas que je anti-pute la gueule. Je sais même plus où faut que j'aille, bordel. Bon bah, pas là visiblement. Ah oui, alors attends. Là. Bah non, je sais. J'ai vraiment plus où faut que j'aille. Que dois-je faire? En plus, je l'ai niqué.
Bonjour. Oh putain. Tu t'inquiètes pas, je me mute. Oui, oui, bon, je m'inquiète pas. Sa Majesté a-t-elle pris la fuite, elle aussi? L'ennemi est dans la ville, peut-être devrions-nous fuir. Courir me semble une bonne idée. Bonjour à nouveau Godzilla. Bon, Daga doit être quelque part dans le château. Eh, mais je l'ai pas trouvé! Peut-être par là. J'y suis pas allé. Ah si, j'y suis allé. Il est mignon lui, mais elle est où? Ah, je vais retourner à la tour là-haut. Je suis bête. Non, c'est par là. Je crois. Non. Putain, je sais même plus où je vais. C'est une truc de dingue. C'est là. D'accord. Allez, grimpe les escaliers. Ils aiment ça depuis FF7. Hein. C'est quoi? Je ne pensais pas. Ah, je sais même plus la voix que j'avais fait encore. Je ne pensais pas qu'il y avait ce genre de choses ici plus. Daga et Echo sont là-haut? Sûrement, il faut aller les aider. Nom de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je continue seul, vous occupez-vous des autres. Pourquoi Jidan, je viens avec toi. J'arrive pas de penser à Daga. Je pense qu'à elle. J'arrive pas à penser à autre chose. Alors je pense pas pouvoir vous protéger. Pauvre gars, je n'aurais pas dû venir. Mais ce n'est pas toi qui resteras sur le carreau. Adieu. Au boulot, Tiska, c'est... Jidan, c'est ça qui me plaît chez toi. Protéger ne serait-ce qu'une seule personne n'est pas chose facile, Jidan. Je sais, Freya. Bonsoir, monsieur Psycho. Non, Lovecraft, je l'ai niqué sa mère, Lovecraft. Alors le bot il est modérateur. Le bot est modérateur. Tout à fait. Comment vas-tu Psycho? Non parce que toi t'es trop con. Je peux rien. Bah ça va, tranquillement, ma foi. Oh pardon. J'étais un peu claqué hier avant-hier. Pourtant j'ai plus bossé aujourd'hui. C'était vraiment le rush aujourd'hui, mais je me sens moins claqué, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Allez Bibi, faisons-lui confiance. Hein? Mais moi. N'est pas le moment, laissons-le. Je sais plus la voir. Bibi, essaie de comprendre. Il faut une raison pour sauver des gens. Il faut raisonner pour vivre. Comment ça va ici, Gaemon? Tu te souviens qu'on a parlé il y a 2 minutes? Mais ça va. Ça va. Et toi, ça va, alors, ta femme? Alors, si tu t'appelles Shadow, et puis Zico, et puis Wizbot et tout ça, alors moi je parle à Zico. De quoi? Je parle à Zico Mantis. Psycho, on dit. Oh bah écoute, moi je suis français, ok, alors je dis Zico. Okay. Ouais, t'es alors, pas français, t'es con, toi. Et... Ah bah si, t'es français. Si comme ça, c'est tout. Ah, je te jure. Pas nécessaire, pas vrai. C'est ce que je ressens en ce moment. Dad, je crois que j'ai compris. Protège Mzel Daga et Echo. Hey, m'en fous d'un nouveau message. Du coup, c'est la populace de Rum Station qui se retrouve. En gros, c'est ça. Oh le dieu, mon petit lapin. C'était quoi cette secousse? Non mais tu fais plus de live toi. Oh ça existe encore Home Station hein. Il y a encore du monde dessus bizarrement. Et bah vas-y lance qu'on rigole. Moi ouais, je vais rigoler. Oh.
Estelle, Régie. C'est problématique dans quel sens, les lives sur HomeStation? Ça fait des années que j'ai parmi les yeux dessus. Wow. Putain, l'épée est tombe. Putain, une daga est tombe. Non. Oh, Jidan est là. Attrape ma queue. Ah non. Ah, c'est beau. Bisous. On dirait qu'ils ont 12 ans, quoi, sans déconner. La visibilité, la clarté. Ouais, mais dans mes souvenirs, tu pouvais. Sur HomeStation, tu pouvais faire du stream aussi ailleurs. Ouais, mais enfin, t'as vu, là, dans les cinématiques, on dirait qu'ils ont 12 ans. Daga. Ouais, Dailymotion ou Twitch. Ouais, c'est ça. Bah, c'est enregistré sur Dailymotion d'ailleurs. Moi, j'ai des vieux lives que je faisais sur HomeStation qui sont encore sur Dailymotion. Je pense que toi aussi, Gameron. Naga, pardonne-moi. J'ai pas été à la hauteur. Dan, on a fait quelque chose de mal ? Des vidéos de merde avec plein de vues. Ouais, c'est pas faux. En même temps, tu fais que des vidéos de merde, c'est pour ça que ça fait des vues. On a plein de choses à se dire, mais pas ici, c'est trop dangereux. Ok, on se tire. Oh. Oh la vache. Bien sûr, mais je crois que le château, il va pas bien. Et qu'elle voit lui déjà. De nombreuses âmes sont retournées vers l'étoile. Ce n'est rien face aux milliers d'années nécessaires à notre plan. Ce flot d'âmes quittera bientôt Hera. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je ne peux laisser quiconque inverser le flot. Il va devoir travailler pour moi encore un peu. Tu t'es accroché à Hera en si peu de temps. Peut-être que cela fait aussi partie de ton destin, Kuya. Kuya. Le mien est d'accueillir celui qui doit te remplacer. Et c'est qui ? C'est qui ? C'est qui, s'il vous plaît ? Oh, nom de Dieu. Oh, je sais plus les voix que j'avais faites, moi, à force. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, Pascal Olmeta ? Comme vous pouvez le constater, la reconstruction de la ville avance comme prévu. Oh, on dirait Gameron. Eh bien, en ce moment... En ce moment, il y a de plus en plus d'ingénieurs de quartier ouvriers qui s'engagent dans la construction de l'île de Garde 3. Je suis fier du peuple de Lindblom. Cela prouve que votre majesté est très appréciée, putain. Votre peuple est fier d'appartenir à Lindblom. Tant que l'on croit en quelque chose, on ne perd jamais espoir, même si la ville est détruite. Si c'était la ville des saumons. Croire en quelque chose. Tchiaouh! C'est toi, Bash ? Bash ? Non, Bach. Bach ? Ouais, Bach. Ouais, merde. Salut, Sid. Comment ça se présente ? Je me souviens plus. C'est une catastrophe. Il y a peu de chances qu'on puisse le remettre en état. Si grave que ça ? Il vaudrait mieux construire un île de garde 3 que de le réparer. Je te parle de Jidan, pas de ton vaisseau. Ah, tu parles de Jidan. Il est en pleine forme, il va se réveiller bientôt. Franck, va voir Jidan. Il s'est déjà réveillé. Peux-tu lui dire de venir me voir ? Ok. Hein, il dort. Réveille ! Oh, il y a un coffre. Daga. Echo ? Pourquoi ? Suis-je ici ? Alors, qu'est-ce qu'on... Un Ego bracelet. Ça gonfle l'ego ? Élixir, parfait, c'est très bien. Bonjour monsieur le mug. Vraiment, c'est bien que Lindblom se soit remis, c'est bien. La route des fossiles, je ne l'aime pas. Au fait, j'aurais une chose à te demander. Peux-tu apporter ma lettre à Mogdon ? Ok. Merci beaucoup, Bo.
Dan, t'es vivant. Oui. On a que des blessures légères. Ah, c'est toi, Franck. Au fait, où est Daga? Il pense avec... Tu sais où est partie Daga? Je crois qu'elle est à la tour de guet. Merci! N'arrête pas de penser à cette nana. Bah oui. Il a ce qu'on appelle quelqu'un d'amour. Oh, heureux. Si, c'est la chambre. D'accord. Épave. Épave. Dis, c'est vraiment pas très grave. Ouais, il peut être mort. C'est quoi ce truc? Un morse? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a dit de vous reposer? Seigneur, capitaine. Nous avons trouvé une épave vraiment étrange. Faites-moi voir ça. Autrefois, j'étais un homme de la mer, alors je sais bien quoi faire dans un cas pareil. Il est sûrement mort. Et appelez le médecin, il faut vérifier s'il est vraiment mort. Ils obéissent vite aujourd'hui. C'est peut-être que j'ai de plus en plus l'air d'un vrai caporal. Miam, où je suis? Miam, j'ai faim, miam. Oh, non, c'est pas tout à fait ça la voix. I am desous. Bonjour, qui êtes-vous? Ah non, c'est pour les cartes. En fin de compte, l'île garde 2 n'a pas assez de puissance pour un vol stable. Ok. Oh là là, toujours pas. Sa majesté vous attend, veuillez passer à la salle du trône. Donc on va aux toilettes. C'est un peu bizarre. C'est où déjà la salle du trône? Par ici. Par là. Premier étage. Ah, ça me gratte le pif. Bon, j'ai tendance à dire que la salle du trône est par là. J'ai tendance à dire qu'elle est souvent à l'étage. Je peux entrer? Veuillez entrer, sa majesté vous attend. Oui, bah, j'aimerais bien. Faut leur parler. Tu t'es réveillé, Pelu? Qu'est-ce que tu me veux? Eh bien, depuis cette histoire avec Alexandrie, j'ai compris beaucoup de choses. Alors je voudrais vous les expliquer. Tout le monde vous attend à la salle de conférence d'en bas. T'es prêt. Nous pouvons commencer la réunion tout de suite. Très bien, alors allons-y, Pulu. Il n'y avait pas de alors. Eh bien, monsieur Jidan. Ok. Rappel. Ouais, très bien. C'est très bien. Il fera la bite. Tout le monde est là. Je vois que tout le monde est là. La princesse n'est pas là. Veuillez la faire fait. Echo, attends un peu. Je vais la laisser y aller. Je vais vous expliquer. Avant tout, je suis très soulagé. Vous allez tous bien. Merci. Ouh. Remords. On ne peut pas remourir, c'est n'importe quoi. C'est ma faute, putain. C'est à cause de moi qu'Alexandrie est dans un état pareil. On ne peut plus voir la belle ville d'Alexandrie. Est-ce moi qui ai mêlé beaucoup de gens à cette terrible histoire? Est-ce moi qui suis responsable? Echo avait-elle tort quand elle m'a dit d'invoquer Alexandre? Non, c'était sûrement pas la faute de Echo. Tout a commencé par ma fugue. C'est à cause de ça que tout est arrivé. Si je n'avais pas fait le fugue... Je n'aurais pas entraîné Jidan, Bibi et tous les autres, putain. Si je n'avais pas quitté le château, j'aurais pu arrêter mère, putain. J'étais resté au château. Mère n'aurait pas eu envie de faire la guerre. J'ai pas dit ça. J'aurais dû expier la faute de mère en devenant la reine d'Alexandrie. Au lieu de ça, j'ai encore commis une erreur. Qu'est-ce que je dois faire, putain de merde?
tu Hill of the Wheels. Quelle tristesse. Pourtant, la ville a été complètement détruite et il y a eu de nombreuses victimes. Oui, vous avez raison. Oh putain, c'est presque la même voix. Hein. Les studios de... presque. Steven Mann a du... des prix... Bah, c'est... conseiller Pascal Olmeta, regarde. C'est Marseille. Cet événement a dû déprimer la princesse. Le pays est tombé dans un état de panique extrême et votre peuple a été confronté à la peur de la mort. Pour protéger le peuple contre les monstres, bête. Et moi, nous sommes battus, mais c'était vraiment un combat acharné. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont presque tombés amoureux par hasard. Eux. Dans cette confusion, j'ai pris conscience de la mort. Bête. Et moi, nous sommes ensuite séparés. À ce moment... Tous les efforts sont concentrés sur la reconstruction de l'île de Bloom. Le peuple est allé au fin fond du désespoir. Il lui faudra du temps avant de se remettre totalement. Les survivants auront besoin d'une énergie extraordinaire pour retrouver le goût de vivre. Ekuya, d'abord Bloomessia, ensuite Clara et maintenant Alexandrie. Quel est son but? C'est lui qui est responsable de tout. Tu connais sa force. Que pourrait-on faire contre lui? C'est-à-dire que... À propos de Kouya, j'ai vu une scène incroyable à Alexandrie. Qu'est-ce que t'as vu? Juste avant la dernière explosion, il s'est enfui avec l'île de Garde 1. Et j'ai vu des mages noirs à son bord. Et il n'était pas comme les autres mages, je les ai entendus parler. Non, je te crois pas. Pas vrai, il serait du village des mages noirs. Ah oui, c'est vrai. T'es bien sûr? Je les ai vus de mes yeux, c'est la stricte vérité. Non, c'est pas possible, je te crois pas. Active time, event. Impatience, les irritations. Ouh, pile face. Garland a failli me tuer. Je sais plus ce que j'avais fait comme voix lui aussi. Me tuer? Mais qui pourrait me tuer, moi? Quelle histoire! Comment pourrais-je mourir? Je ne connaîtrai jamais la mort. Jamais! D'ailleurs, il est déjà trop tard, les dés sont jetés. Il a fait un double 6, le salaud. Ils font quoi, pile et face, là? Allez, viens, dés, les gars. Croyez vraiment que je donnerai encore l'occasion de jouer un rôle à ce vieux? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes drôlement blessé. Taisez-vous. Et puis si Alexandre ne me sert pas, je n'aurai qu'à chercher une autre chimère. Hé, toi! Je m'appelle 234. Je me moque de ton numéro. Tout est prêt, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Il me faut encore de ces magnifiques jouets. Je vais me reposer un peu. N'en profitez pas pour ne rien faire. Bien, monsieur. À vos ordres, monsieur. Pas de problème. C'est parce que ta femme était furieuse qu'elle t'a transformé en peluche? J'ai honte de le dire, mais c'est la vérité. Tout ça à cause d'un caprice. Mais comment, Kouya, a-t-il pu prendre l'île de Garde 1? Là est toute la question. Oh putain, c'est quasiment la même voix. Il me semble qu'il a pris mon vaisseau et il date pour assouvir son ambition. Je vous demande de les récupérer. Un échec pareil ne ressemble pas à un roi comme vous. Brou! Salut Brou, comment tu vas? Bienvenue. Bienvenue. Et vive les chocobos. Bah ça va pas mal, je te remercie. J'ai toujours cette toux de merde là, mais bon, c'est pas grave. On ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut. Tout à fait, il faut l'arrêter à tout prix. Vous avez raison, mais comment on fera pour le rattraper? Il se déplace en aéronef. On sait même pas où il est parti, ce sera pas facile de le retrouver.
Je n'ai plus l'île de garde 2. Il n'y a aucun aéronef disponible en ce moment. Ça a été ta journée, Brou? Pas trop dur? Pour un mercredi? Bientôt le week-end. En plus, avec un corps de peluche, je ne peux pas facilement donner des indications aux ouvriers. Je vais retrouver une apparence humaine, mais seule Hilda pourra me la rendre. Tu as une idée? Palmetta, Pascal? Quelques problèmes au taf? Oh, rien de grave, j'espère. C'est toujours chiant, les problèmes au taf. Oui, votre majesté. J'ai appelé Maître Totor. Putain. Il va bientôt arriver. Maître Toto! Il devrait nous aider avec ses conseils. Putain, c'était quoi sa voix, lui? Je vous ai fait attendre. Ah, maître Toto, je vous remercie de la peur que vous vous êtes donnée pour venir jusqu'ici, putain. Ce n'est rien. J'ai posé mon vendredi, donc week-end demain. Alors, comment on banne les gens ici, déjà? Ils sont week-end demain, t'es pas normal. C'est pas normal. Il y en a même qui disent que c'est pas normal. Le vilain. J'ai entendu parler de l'affaire de l'autre jour. Je suis vraiment heureux de vous revoir en pleine forme. Et moins de blabla et plus d'action, là. La princesse et Eiko ne sont pas là? Ne me dites pas. T'en fais pas. Eiko est juste allé chercher Dagar. Attends, j'ai encore 5 RTT à utiliser avant le 31 décembre. Je suis obligé. Donne. Les garde pas, ça te sert à rien. Ça se voit, ça te sert à rien. Donne, allez. J'ai cru un nouveau problème, je me suis inquiété pour rien. À propos, maître Toto. C'est terrible, terrible. Mais qu'est-ce que t'as, Eiko? Il est toujours aussi turbulente. Oh, le bâtard. T'es bien. Et au fait, on sait toujours pas comment on like les trucs comme ça. D'ailleurs. Ouais, t'es vilain. T'es vilain, mais j'aime bien. Ça va. J'aurais fait la même, hein, de toute façon, donc je peux pas t'en vouloir. Je vais finir par enlever le truc du texte. Le truc du texte. De quoi, le petit cœur? C'est toujours aussi turbulente, disais-je. Daga, elle... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Daga... Elle est devenue muette. Quoi? J'ai pas eu le temps de tout lire là-haut, calmez-vous. Venez vite, allez dans la chambre. Eiko! Tchou. Le zéro like. Ouais, c'est assez curieux. On sache pas trop comment ça marche, ce truc. Enfin, y a pas l'air d'y avoir d'indication sur Wisebot en plus. Je vais la voir, vous pouvez m'attendre ici? On y va, maître Toto. Je viens avec vous. On ferait mieux d'interrompre la réunion. La doc est pas claire ou pas? Alors ça, c'est possible qu'elle soit pas à jour. Bien, votre majesté. Putain. Nous allons nous quitter pour le moment. Je vous ferai appeler plus tard. Zidane, reviens me dire comment va la princesse. Pas de problème, elle va bien. Petite olive et hop, c'est reparti. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La chambre, elle est où la chambre? La chambre... Oh, ben, elle est en bas. Après, ça se trouve, en cherchant sur Google ou autre rez-de-chaussée ou autre moteur de recherche. 20h la blague, ouais, si tu veux. Bah, s'il se passe rien de spécial dans le jeu, ouais. Si je suis en pleine action, ça va. Non. Ah, pas la tête, elle est fou. Elle. Et je couperai le son du jeu exprès d'ailleurs. Rien que pour toi. 20h02, je mange. Bah, genre. Ah, c'est dur à mon âge. Elle est en haut. Donc, ouais, peut-être qu'en cherchant sur Google ou autre moteur de recherche, il y aura peut-être une idée de comment on like. Daga? Princesse Grenat. Princesse, qu'avez-vous? On se fait des jeux à deux quand tu veux, au fait. Ouais, mais j'ai pas envie avec toi. Tu gagnes tout le temps. Faut trouver un jeu qui fasse chier ton PC un peu, là, un gros jeu. J'avais regardé, mais rien trouvé. Ah, merde.
Ouais, mais tu ferais. Bah, qu'est-ce qu'il y a comme jeu où on peut jouer à deux? Des trucs sympas et pas chers. C'est une plaisanterie. De Tales of, on peut jouer à deux à des Tales of. Ça se partage. Comment ça, ça se... Comment ça, tu partages? Toto, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle misère. Il est vrai que la princesse est privée de la parole. Bonsoir. Bonsoir. C'est Maître Bonsoir Toto. Bonsoir la France. Je suppose que c'est dû à la succession d'événements affreux qu'elle vient de connaître, oui. Oui, on va aller continuer avec Schizophrix. En fait, faut que je... Vesperia, c'est uniquement en combat, je crois. D'accord. Faut que je lui donne une date de quand est-ce qu'on fait la suite, parce qu'il me demande régulièrement. Tous, hein. Oui. Tous les Tales of, c'est les combats qu'ils jouent ensemble. Et on peut faire leur aventure à deux, je peux te laisser le lead que tu joues toi. Et... Oh, pas plus intéressant. Tales of, c'est long en plus, y'a pas des trucs plus courts. Attends, je vais regarder. J'avais une petite idée. Mais je parle pas de ta bite, hein. Ouais, je parlais de la tienne. Alors, du coup, je vais regarder. Salaud. Je vais aller sur Steam. Y'a Overcooked. Overcooked 2. Ah oui, mais d'ailleurs, y'a des gens qui ont Overcooked 2 dans le coin. Ça peut être marrant de se faire un truc à 4. Je crois que Chanel et Steam ils l'ont d'ailleurs. Chanel et Steam ? Il me semble, je suis pas sûr. On avait dit qu'on ferait des parties, mais on l'a jamais fait. Le 1, moi je l'ai terminé. Ouais, mais on s'en fout, on peut pas jouer à plusieurs en ligne. Le 2, on peut jouer en ligne. Hein ? C'était quoi cette horreur ? Cette voix ? Hein ? C'était quoi cette horreur ? Enfin, cette voix. Mais elle est amoureuse ou quoi ta femme là? Je suis pas un mec facile. Et elle a répondu je suis poli. D'accord. Eh ben enchanté poli, je suis Shadow. Il a dit enchanté poli, je suis Shadow. Voilà relou. Merde. Ah bah oui, je peux mettre pause, c'est vrai. On est gentil, on est poli et on voilà comment on est remercié. T'inquiète, je te remercierai de ma présence, un de ces quatre, mais je sais pas quand. Inadmissible. C'était dur à dire, hein, ça fâche. Ouais, c'est très dur. Hein. C'est inadmettable. Cela suffit. Dans une pipe en bois. Bon, j'ai été où, moi? Mais ouais, faudrait qu'on voit avec pour Overcooked 2, ouais. À la rigueur, c'est ça, c'est assez marrant en plus. Ce serait vraiment drôle. C'est quand même pas mal drôle. Oh, la ref à Pérus, j'aime. Bah oui. Bah, Pérus. Pérus, si tu m'entends. Il est pas mort. Crab Game aussi. Et quoi ? Crab Game. C'est quoi ça, Crab Game ? C'est Squid Game, mais avec des. Où tu peux jouer à plusieurs. C'est Crab Game. Et tu trouves ça où ? Bah, Crab Game sur Steam. Crab Game. C'est d'accord. AB, plus loin. Non, j'ai pas envie de chercher en fait. Non, mais. Je t'explique comment ça s'écrit parce que je sais que t'es un peu dyslexique. Et tu sais quoi? Il y a une section suggestion de jeux dans le Discord. Bah, tu mets les noms à la rigueur. Si tu peux mettre les liens au passage, ce serait top. Ah ouais, parce qu'en plus, il faut que je te trouve les liens. Bah ouais. Ah, ok, alors. S'il te plaît. Ouais, je. Alors, suggestion. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça que. C'est comme ça que j'ai commencé. Je sais plus quoi d'ailleurs, c'était quoi? C'était quoi le nom du jeu? Hi-Fi Rush, c'est ça? Parce que Brule me l'a suggéré, et puis franchement, il est top. Hein. Crab Game, d'accord. Je jetterai un œil. Jetterai un œil un peu plus tard. Bah, pas de problème, Saiko. Jette pas trop fort. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est n'importe quoi. Ça aussi, ça se joue à 4. En plus, il faut que je regarde. Ah non, mais... Grounded. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais. J'ai vu un petit peu de live dessus. Ça a l'air chouette. Hein. Il y a besoin. Ouais, franchement, je le ferai bien avec d'autres gens pour pouvoir aller jusqu'au bout parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Il est sur le Game Pass, Grounded? Il est sur le Game Pass gratuit, ouais. Parce que je l'ai. Je l'ai, le Game Pass. C'est bon, ça. Et alors, on peut créer une partie. Ouais. Admettons, moi je suis Lot, tu vois, on joue.
Ouais. Elle est sauvegardée, mais tout le monde a la sauvegarde. Donc, c'est-à-dire tout le monde peut jouer à tout moment sur son perso. Ah, ça, c'est cool, ça. Bon, à condition que tu reprennes le même perso que t'avais pour pas faire chier, parce que sinon, tu vas te retrouver avec le stuff de l'autre, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, okay. Enfin, ouais. Ça reste la même sauvegarde pour tout le monde, mais ouais, il y a moyen de, cool. d'échanger les persos, ça sert pas à grand-chose. Sea of Thieves, si tu n'es pas allergique à l'eau aussi. Non, c'est nul. Plus, aucun non, mais toi, tu trouves ça nul. Moi, j'en sais rien. La seule fois où j'ai voulu y jouer, mes potes, ils jouaient plus. Attends, je regarde juste si je. Je me suis fait avoir. Je regarde si je peux l'offrir à quelqu'un. Je te jure, je te le donne. Je m'en fous. Non, mais il est sur le Game Pass. Enfin, il était sur le Game Pass. Je sais pas s'il est toujours. Ah. Mais il était c'est sur le Game Pass. Tiens, je regarde. À gérer propriété, offrir à un ami. Y a pas. Y a pas. Dégager de sa. On est des amis. ouais, il est inclus avec le Game Pass et of Thieves. Ben heureusement. Il le donne parce que c'est de la merde. Alors, du coup, c'est de la merde, t'aimes pas, c'est pas pareil. En fait, j'ai trouvé aucun intérêt à ce jeu. En fait, t'es sur un bateau, tu trouves un autre bateau, tu les accostes, tu les pilles, et tu reprends ton bateau, tu accostes un autre bateau, tu les pilles. En fait, t'as que ça à faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme PUBG. J'ai pas joué à PUBG. Ouais, enfin, c'est PUBG, Fortnite, Warzone, enfin, ouais. C'est tous plus ou moins le même style. Après, des fois, pour que ça, quand ça change un peu de gameplay, c'est « Oh, il y a un Kraken, faut tuer Kraken. » Bah voilà, mais t'es jamais content, il y a un Kraken à tuer, t'es pas content. Ouais, c'est bon, il y a un Kraken toutes les 20 heures, c'est bon. 20 heures où ton bateau, il descend, il monte, il descend, il monte. Oh, allez, fais gaffe, dans moins d'une minute, c'est l'heure de ta blague. Ah, jingle. Allez, 15 secondes. C'est dans 15 secondes, là, t'as regardé l'heure ou quoi? J'ai sur ma montre. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année. À toi. Voilà, c'est l'heure. Du coup, c'est la blague de Game Run. C'est la blague de Game Run. Oh, c'est nul. Bon, alors, c'est nul, mais ça te va bien. Ouais, super. Allez, vas-y, sors ta blague. Allez, j'espère que vous la connaissez pas parce que franchement, ça me ferait chier. Alors, j'en ai plusieurs, mais on va faire celle-là. C'est un chauffeur poids lourd, il est dans son camion, il roule comme ça, il va tout droit, j'espère qu'on m'entend bien, parce que je ne la referai pas deux fois. Il roule, il est tranquille, et d'un coup, au loin, très loin dans sa route, il voit un petit nain jaune qui... comme ça, il lève les bras. C'est dommage, c'est visuel. Il lève les bras, comme ça. Et du coup, le chauffeur, il commence à ralentir, il s'arrête. Il ouvre sa fenêtre, il fait « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et le nain, il fait « Ma voiture, elle est en panne, je sais pas quoi faire et tout. » Le mec, le chauffeur, il dit « Écoute, avant, j'étais garagiste, je vais regarder ce qu'elle a ta voiture, pas de problème. »« Ah, oh, c'est gentil. » Il descend, il va à la voiture, il regarde. Il ouvre le capot, il regarde comme bien dans le moteur, il dit « Ah ouais, c'est ta courroie de distribution, elle est un peu morte, quoi. » « Bon, écoute, c'est une voiture de nain, j'ai ce qu'il faut, j'ai un gros élastique dans mon camion. Je vais le prendre, je vais le mettre dessus. Par contre, tu t'arrêtes à la prochaine station. » Et tu répares ça de suite, quoi. Oh, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Et là, le chauffeur, il dit, non, rien, c'est bon, reprends ta route. Ah, s'il te plaît, laisse-moi te sucer. Le chauffeur est choqué, il dit, non, et tout. Et là, le nain, il insiste, il dit, si, je vais te sucer. Il plaque le chauffeur poids lourd contre son camion, il baisse son froc, il tient une pipe. L'autre, il sait pas, il jouit, il ferme les yeux, il jouit. Et quand il rouvre les yeux, il n'y a plus de nain, il n'y a plus de bagnole. Oh. Il est sur le cul, il remonte son froc, il remonte dans son camion. Il roule, 20 km plus tard, un nain rouge, comme ça, alors là, il dit, qu'est-ce que c'est quoi? Et hop, il s'ralentit, il ouvre la fenêtre, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ma voiture est dans le fossé, et puis je peux pas la sortir, j'ai pas de force. Il dit, bouge pas, moi je vais te la sortir. Il sort, il tire la bagnole, il la sort, il la remet sur la route. Bon, le nain rouge, il fait, merci, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? L'autre, il dit, non, c'est bon, rien du tout, pas de problème, tu peux reprendre la route. Il dit, s'il te plaît, laisse-moi me faire enculer. Alors l'autre il dit non, c'est pas possible, non. C'est t'es dégueulasse. Donc je fais pas ça. Et l'autre, le nain, il insiste, il plaque le chauffeur contre le camion, il baisse le froc du chauffeur, il baisse son froc, il s'astique un peu la zigounette avec sa bite, il se fait enculer, le chauffeur il jouit, et quand il ouvre les yeux, il y a plus personne, il y a plus de nain, il y a plus de voiture. Là, il est vraiment survécu, il remonte son froc pour la deuxième fois, il remonte dans son camion, il roule, et 25 km plus loin, un nain bleu qui l'accoste, il est là, ouais,
il freine, il ralentit, il ouvre la fenêtre, il en a plein les couilles, il fait « Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule ?» Et là, le nain, il répond « Gendarmerie nationale !» Oh putain, c'est nul. Je me souvenais plus de la fin. C'était... T'as pas un générique de fin, là? C'était la blague de Game Roll, c'était la blague de Game Roll. Oh merde. Il manque plus qu'une petite musique derrière et ça passe. J'en ai une bonus, si tu veux. Ouais, allez, vas-y. C'est et t'es en retard pour bouffer, par contre. C'est pas grave. C'est un concours de gobage de par le cul. Les gens, ils doivent gober des choses par le cul. Et en fait, le premier candidat, il passe, il met un melon sur la table. Il s'assoit dessus, paf. Il n'y a plus de melon. Bon, le deuxième, il passe, il met une pastèque sur la table. Il s'assoit, et paf. Il n'y a plus de pastèque. Là, je te vois rigoler sur ton live, mais tu n'as pas de son sur Discord, c'est terrible. Et du coup... Il y a... Comment il s'appelle? Bientôt un compte TikTok. Et du coup, le dernier, il pose un abricot sur la table. Et là, le jury fait « Monsieur, un abricot, c'est pas assez gros par rapport au mec d'avant, il a fait une pastèque. » Ben, le mec s'assoit sur l'abricot et paf, il n'y a plus de table. Oh putain, c'est nul. Non, il fait un compte mime ou OnlyFans, je sais plus. J'ai mon compte OnlyFans, je vous le donne, bougez pas. Mon Dieu. C'était nul. C'était... C'est quoi ça, OnlyFans HTTPS Game Renewed? C'est n'importe quoi. T'aurais pu faire un vrai lien au moins qui débouche sur que dalle, mais un vrai lien. T'es nul. C'est quoi ta mamie? Ça me fait rigoler si ça fonctionne. Hein. Oh putain, t'imagines? Il y a un mec qui a pris des photos de toi, il les a foutues sur OnlyFans. Et t'es même pas à poil. Voilà, c'est fou, ça. Rien. Lucas, pourquoi t'as remis le HTTPS au milieu? Ouais, je sais pas, j'avais envie. Bon, ce site est inaccessible. Franchement, tu pourrais mettre des liens. Des liens réels. Ouais, je vais reprendre mon jeu, hein, parce que je suis là pour jouer, moi. Vas-y. Ouais, t'es où, moi? En plus, c'est une scène triste, quoi, merde. Eh, vous mangez quoi ce soir, en fait? Lucas, c'est comme le cul. Ouais. Il est mis en verlan. GG. Tout était fait exprès. Point huc. C'est le huc. Au secours. Allez, c'est reparti. Game Renewed. Hein. Point huc. Bon, bah écoute. T'es sûr, j'ai refait les voix. Impossible. Princesse. C'est pas vrai. La gars pourra plus parler. Je crois que son mutisme est temporaire, mais je ne peux pas dire jusqu'à quand il durera. Si son mental se remet, elle retrouvera la parole. Mais personne ne pourra l'aider. Elle devra s'en sortir par elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Que seul le temps peut la soigner. À moins qu'elle ne veuille parler, elle restera muette. Mon Dieu! En tout cas, tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est la détendre un peu. Oui, je vais la détendre. T'as peut-être raison. On va la détendre. C'est à cause de moi, je suis indigne d'être chevalier. Eiko, je te demande de t'occuper de Daga pour le moment. D'accord. Mets-toi, Zidane. Je vais retrouver Kuya et je vais lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Oh, c'est mal barré, t'es qu'au niveau 25, mec. Aide-moi, Toto. Il me faut un aéronef le plus vite possible. Dis-moi ce qu'on doit faire pour que Sid retrouve son apparence humaine. Oh. Veuillez rester calme, je dois d'abord voir le roi Sid. Allez, viens, mon vieux. Ah, princesse ! Désolé, Eiko, mais je te confie aussi celui-là. Oui, madame. Maître Toto, connaissez-vous les moyens de me retransformer en homme ? Oh, putain. En général, un homme transformé au moyen de la magie ne peut être retransformé qu'avec l'aide de la même magie. Y a plus rien à faire. Oh. Un livre que j'ai lu il y a longtemps explique le moyen. Oh putain. De lui faire reprendre son apparence. C'est vrai, plus.
Pelé. C'est vrai, mais il n'est pas vraiment sérieux. Et si nous lui faisons confiance? Si je suis ses instructions, je risque de mourir. Vous ne risquez pas de mourir. Il faut préparer un remède en mélangeant 3 produits et l'asperger directement sur le corps. Ce n'est donc pas dangereux. On asperge quoi sur le corps de qui, là? Tant que ça tue pas papy, tous les moyens sont bons. Ah bah oui. Ça n'arrive qu'aux autres. C'est quoi les 3 trucs à mélanger? Eh bien, nous sommes 3. Il faut un remède étrange, un beau remède et un remède suspect. Et vous les mélangez dans la proportion de 5, 2 et 3 respectifs. Faut peut-être que je note ça quelque part, moi. Puis j'ai pas de stylo, j'ai pas de papier. Bon, bah tant pis. Ce produit était souvent utilisé autrefois, putain. Aucun de ces 3 produits n'est rare. Justement, cela me paraît trop simple. Pourtant, on n'en utilise presque plus aujourd'hui, alors s'il était facile d'en trouver. Peut-être que Sina a un remède étrange. C'est qui, Sina? Je vais lui demander. Sina, d'accord. Je compte sur toi, Tidane. L'insistant. Ce serait pas un mec qui insiste. Allez, en avant. Sois prudent, je te le dis. Là, tu peux me passer le marteau? Où j'ai mis mon marteau? Un moment, je vais te le cercer. Mais tu as déjà un marteau? Tu veux celui-là? Non, je peux pas te le prêter. Tu peux pas me le prêter? Non! Je peux prêter mon marteau à personne. Bon, d'accord. Tu peux aller me chercher quelque chose pour enfoncer les clous? Eh bien, bon appétit, monsieur Lurk, monsieur Gamer Con. Va falloir trouver un autre surnom, d'ailleurs. Je vais où, là? Mister Blague. Mister Blague. Et de retour. Rez-de-chaussée. Mister Blague! Tu sais plus où faut que j'aille. Par là. Je vais aller par là. Ah non, je crois que c'est pas par là. À moins que ce soit par là. Bonjour. Ah bah écoute. Merde. Je peux t'aller en ville? Quartier commerçant ou théâtral? Théâtral, je dirais. À la base, ils font du théâtral. Non, merci. Ah bah tiens, pile poil. Ah, c'est... Oui, je suis sûr. Hey, oh! J'étais sûr que c'était toi. Ah, c'est vous. Comment allez-vous depuis depuis Bloomestia. Encore merci pour l'autre jour. Alors, tu vas bien, toi? Oui, c'est grâce à toi. Après Bloomestia, nous sommes arrivés ici à grand-peine. Il y a des gens de Bloomestia qui sont venus car c'est un refuge jusqu'à une Bloom comme nous. Je vois, j'imagine vos difficultés. Contre-attaque. Dame Freya! Je suis heureux de vous revoir en pleine forme. Oh, c'est vous, vous en êtes sorti? Oui, nous avons réussi à nous évader jusqu'à Nilbloom. Mais Dan et nombre de nos camarades sont morts. Garderons l'espoir tant que nous vivrons. À propos, qu'est-ce que vous allez faire, Dame Freya? Je vais partir à la poursuite d'un homme, d'un nommé Kouya avec Jidan et ses amis. Et vous? Nous allons nous occuper de la reconstruction de notre pays. Nous devons d'abord rassembler nos camarades dispersés de par le monde.
Alors nous aimerions vous demander de l'aide, Dame Freya. J'ai compris. Quand j'aurai atteint mon but, tu retourneras à Blumessia. Pardonnez-moi de vous faire attendre, mais je vous assure que je reviendrai. C'est entendu. Nous ferons notre mieux pour créer la nouvelle Blumessia. Nous ferons de notre mieux en vous attendant. Prenez votre temps. Pardonnez-moi. Moi, je pardonne plus, je tue en direct. On bat les couilles. Si maître Fratley était là. S'il était là. Oui, ça a été vraiment dur. À propos, il y a quelque chose à te montrer. Oui, c'est vrai. Venez par ici. Oui, papa. Oh, ce sont nos enfants. Je ne pensais pas que nous pourrions te montrer nos enfants à Lisbonne. Yes. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Maman, c'est un ami à papa. Oui, c'est le meilleur ami de papa. Ouais. Wow. C'est le meilleur ami à papa. Il est super. Tu crois, tout le monde me dit ça. Nous comptons retourner à Blumessia quand le moment sera revenu. Sera venu, pas revenu. Ah là là. En ce moment, on est en train de préparer la reconstruction de Blumessia avec nos amis. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. J'espère au moins que Blumessia sera reconstruite quand mes petits seront grands. Nous pouvons aller jouer. Oui, mais là, n'est pas trop loin. Nous devons reconstruire Blumessia pour l'avenir de nos enfants. Viens nous voir à la nouvelle Blumessia. Oui, si vous avez des envies, n'hésitez pas à nous demander. Merci. Je vous souhaite une paix retrouvée à Blumessia. Et moi, je me casse. Je me casse par là. On a l'air con quand même. Ah non, pas par là. Pas par là, pas par là. Bon bah c'était peut-être pas... Siphon. Chouchou. C'était par où? C'est quoi? Des sous. Trop bien. Il y avait un autre... Je l'interroge sur le remède. Je vais bien scellé, mais je ne connais rien en remède. Ah ouais. Oh, d'accord. Je l'interroge sur le remède. Je l'ai jamais pris sur le remède, désolé, je ne peux pas t'aider. Demandez un peu tout le monde, on sait jamais. Bonjour. Quoi? J'ai jamais entendu parler de ce remède. Si tu crois qu'il y en a dans cet atelier, cherche-le autant que tu voudras. Eh ben, il y a un coffre. Je vais fouiller ton coffre, mon pote. Zappi. Oh. Ah, remède suspect. Très bien, très bien, toi, très bien. J'en ai un. Ah putain, c'est par là. Je savais bien que vous seriez là. Ah, Jidan, tu vas bien? Tu t'es remis? Je suis content de te revoir en pleine forme, je te le dis. Maintenant, j'ai plus mal. Y a eu Franck? Oui, au château. Alors, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Il s'agit d'un truc urgent? Oui, j'ai une chose à vous demander. Vous n'avez pas de remède étrange par hasard? Si, j'en ai. Tu m'en donnerais un peu? Bien sûr, un instant. Dis-moi, Jidan, quand est-ce que tu reviens chez les Tantala? C'est pas pour demain. Je m'ennuie jamais avec toi, Jidan, je te le dis. Tiens. Putain. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ça servira à redonner figure humaine à Sid. Merci. Allez, salut. Je me casse. Et si j'allais? Ce serait trop simple si tout était dans le coin. Aller ailleurs. Les allées tailleurs. Bonjour. Je voudrais aller. Je vais me tirer. Je vais aller au quartier Clomers. Avec un peu de bol. Ça se coupe.
pas les interroger, eux. Alors, à présent que le quartier ouvrier a été détruit, l'évolution des technologies est très attendue, mais je ne connais pas ce remède. Tu vas pouvoir faire du chocobo. Quand ça ? En raison des travaux de reconstruction du quartier ouvrier, le trafic dans ce quartier est interrompu. Nous nous excusons par avance auprès des riverains pour la gêne occasionnée par les travaux. Nous vous remercions de votre compréhension. Ouais, pas sûr de bien comprendre. Bientôt, d'accord. Bonjour, vous avez un remède ? Ma grand-mère m'a dit autrefois, un fou de remède habitait l'atelier du quartier de... Ah, j'en reviens. Pas se tirer d'ici. Désolé, mais l'heure, c'est l'heure. Ok. Bonjour, vous avez un remède ? J'ai jamais étudié les médicaments. Tu demandais à quelqu'un d'autre, d'accord ? Non, j'en ai pas. D'accord. Très bien. Si, j'allais donner mon avis. Je viens toujours ici, je pense que c'est une bonne auberge. Il y a un mock dans la chambre d'à côté, le taxer est juste en face. Je peux avoir une réduction ? Non ? Non mais... Non. 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 Alors, il est où ce foutu remède ? Ça fait un bail qu'on n'a plus pris ce remède. On l'utilise encore aujourd'hui ? Faut croire que non. Sœur pour être enseignée. C'est qui ta sœur? Mais c'est pas moi, demande à mon frère. Un peu louche cela. J'ai déjà entendu ce nom, gage pas, mais je m'en souviens plus. D'accord. Je suis débordé, ne m'adresse pas la parole. Oh le bâtard. T'es vilain toi. Le Sagittaire. Oh trop bien. Fermeture temporaire, d'accord. Non mais, moi je veux parler au gars là. Quoi ? Un remède ? Pour qui tu me prends ? Je vends des cornichons, moi, pas des potions. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Bonjour. Ouais, je m'en fous. Toujours. Je veux aller. Remède. Ok. C'est pas le remède que je cherche. On verra. On verra plus loin. Papy, j'ai déjà demandé. Salut toi. Je comprends pas très bien de quoi tu parles. Si tu avais demandé à ma sœur. Ouais, vous avez tous une sœur ou quoi ? Tu n'en as aucune idée. Non, je ne sais pas. D'accord. C'est pas ma spécialité. Tu as déjà demandé à Alice ? C'est qui Alice ? C'est qui Alice ? Je suis jamais tombé malade alors je n'ai jamais vu de remède dessus, d'accord ? Un remède ? Ce n'est certainement pas moi qu'il faut demander, d'accord ? Ah, tu veux un beau remède ? Ok, un instant. Ouh. Lucky ! Il y en avait un ici. Ah, voilà. Tiens, prends ça, de toute façon, je peux pas vendre un truc aussi dépassé, d'accord ? Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Allez, je vais rejoindre Sid Pit. A priori, je gênais les gamins. Y a pas d'autres trucs. Non, y a rien. Y a rien. Bah, j'y. Tiens. Oui, rends mes armes plus brillantes.
Toge. Il y a des trucs, je sais même pas. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouais, mais les pierres, là, comme le lunalite, ça fait apprendre, ça me fait apprendre des trucs. Ça serait un peu dommage de les utiliser tout de suite, non? On verra bien ce que ça fait, ça. Botte magique. Fender, j'en ai pas. Diadème, j'en ai pas. On verra ce que ça donne. Ah putain, j'ai pas de mid dague. C'est dommage. C'est dommage. D'une moitié, les effets de sacré augmentent la puissance des attaques élémentaires d'eau. Ouais, c'est pas très intéressant quand même si ça diminue. Les effets de sacré, c'est quoi? C'est un petit peu comme quand on soigne, non? Je me souviens jamais. Ou peut-être pas. Ah, mais attends, c'est magique, j'en ai combien? Sidéral pour... Quoi? Ah! Ah ouais, sidéral. Je vais quand même me tirer de là. Par contre, des fois, ça réduit les dégâts que tu encaisses en sacré. Ouais, ok, c'est bien ce que je pensais. Je vais quand même garder la pierre, là, le lunalite, je crois que tu dis. Il me semble que ça fait apprendre des trucs. C'est dommage de l'utiliser sans l'avoir apprise. Sans avoir appris le truc. Alors... D'accord. C'est moi ou il est descendu bizarrement? Non, c'est moi. D'accord. Boum. Je voudrais... Putain, mais je fais n'importe quoi là. Ah bah voilà. Ouais, je fais n'importe quoi, c'est pas là qu'il faut que j'aille, hein. Je suis con moi. Cassez-vous, j'ai des remèdes. Ne renvoyez pas, ce sera plus un peluche. Je croyais que c'était un secret. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. C'était par là. C'était par là. Non, je sais plus. Toujours s'annoncer, toujours. Désolé de vous avoir fait attendre. Les trois trucs sont mélangés dans cette bouteille, dans les proportions que t'as donné. Ah, bon, c'est bon, je vais pas le faire. Très bien, essayons-le. Pouvons-nous commencer, Majesté? Allez-y, balancez tout. Oh oui, je balance tout. Je voudrais pas te tuer. Allez, j'y vais. Oh. Alors, ça m'a changé en homme. J'ai l'impression que... Quoi? Ça n'a pas eu l'effet... Mais comment se fait-il que... Ça
majesté se soit transformé en grenouille cette fois-ci. Maintenant, faut qu'on renonce au vaisseau. Mon Dieu, ça ne doit plus traîner. On n'a plus d'autre choix que de trouver Hilda. Je pars avec vous, moi aussi. Allez, rassemble tout le monde à la salle de conférence immédiatement. Quelle histoire. Et c'est d'échec en échec, ce bordel. Tout le monde est là ? Sa Majesté a une chose à vous annoncer. Ding. Que ? Quoi ? Après le peluche, c'est la grenouille ? J'ai essayé de reprendre mon apparence humaine, mais ça n'a pas marché. De toute façon, personne ne nie que Kuya soit responsable de tout. Il faut que l'on trouve Kuya à tout prix. Et comment on le trouve sans aéronef ? Nous allons nous servir du vaisseau grâce auquel nous nous sommes évadés d'Alexandrie. Olmeta ! Viens, Zelbot, te le préparer. Bien, Majesté, putain. Par où on commence ? T'as une idée ? C'est bizarre ce passage, il me parle, moi. J'ai pas l'impression d'avoir été aussi loin avant. Pourtant, ça me parle. Où se trouve Kuya ? C'est toute la question. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais vu des mages noirs à bord de ton vaisseau volé et que tu les avais entendus parler. Si on allait au village des mages noirs, là-bas on trouvera peut-être des indices. Oh, je vois. Et puis, je voudrais savoir par moi-même si les mages noirs aident vraiment Kuya. Je voudrais savoir la vérité. D'accord avec lui. On doit aller au village des mages noirs pour approcher Kuya. Et pour Bibi, bien sûr. C'était approché ? Oui, c'est ça. Monsieur Bibi, vous êtes vraiment un homme admirable. Princesse, qu'est-ce que vous voulez faire ? Elle veut y aller aussi. T'es sûr de vouloir y aller ? T'es pas obligé. T'inquiète pas, je protège, Zaga. Bien, c'est décidé. On va au village des mages noirs. Si vous êtes prêts, rendez-vous au port du sous-sol. Ok. Allons-y. On devient nombreux, là, par contre. Hein. Les choix vont être compliqués. Tu cherches la vérité. Ils sont bons, mes cornichons. C'est immense, la ville. Pourquoi il y a plein de travaux ? Ils sont bons. Bon ? Donc, c'est quelque chose à manger ? Ils sont bons. Bonjour. Les cornichons sont vraiment bons. Quoi ? Ça se mange ? Vous n'avez jamais mangé de cornichons ? J'en ai jamais entendu parler. Manger toutes les nourritures du monde entier, c'est ma mission. Et quand elles sont bonnes, j'ai qu'à les manger. C'est une belle mission, goûtez mes cornichons. Je peux les manger, t'es très gentil, Miam. Putain, bouffe tout. Faudrait pas l'arrêter avant qu'elle bouffe vraiment toute la ville. Allez, sous-sol. Je vais au sous-sol. Un sous-sol par-ci, un sous-sol par-là. On va à droite, ou on va à gauche. Porte du dragon terrestre. Et l'autre, c'est quoi ? Porte du dragon aquatique. C'est quelle porte ? Bon, écoute, on va aller par là, je me rappelle plus. Faut y aller, c'est en bonus. De quoi ? De quoi ? Merde. Allez voir Quina ? Non, non, non. Ah, chiotte ! Ah, je le savais. Mais j'osais pas le dire. C'est crédible ou pas ? Rez-de-chaussée. En même temps, oui, ça semble logique que s'ils mettent cette Active Time Event, c'est pour aller la voir. Ne soyons pas bêtes, allons-y. L'été, quartier des commerçants. Oh, bah merde!
loin. Quartier des commerçants. Je vais voir les commerçants. Et c'est parti, ma couille, on y va. Allez, c'est parti. Oh, casse-toi. Alors, voyons voir. Ah, c'est toi, Kuna. Où tu étais parti? Tu tombes bien, Jidan. Elle est vraiment affreuse, aide-moi. Qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Tu la connais? Ouais, je la connais pas mal. Je suis désolé, mais elle a essayé de partir sans payer. J'ai oublié la voix que je lui ai fait. Hein. Pourtant, il y a quoi, 2 minutes. Partir sans payer. Mais tu m'as dit que je pouvais les goûter. Tu rêves ou quoi? C'est juste une façon de parler. Goûter un peu pour en essayer la saveur. T'as dit de tout manger. Calme-toi, c'est normal que tu sois en colère. Alors, ça fera combien? Ça fait 100 giles, paie-moi vite. D'accord. Pays à regret. Emmène-la, le plus vite sera le mieux. Allez, viens, Quina. Merci, Miam. Je te suivrai jusqu'au bout du monde, Jidan. Si tu veux. Ah. La plage. La playa. No problemo. Château de Lindblom. Quoi que j'aurais peut-être pu passer par un autre endroit. Pour le coup, c'est porte aquatique ou terrestre? Moi, j'ai choisi terrestre, mais... on verra bien. Je tentais l'aquatique pour voir. Simple curiosité. Ok... Sous-sol, 2 minutes d'arrêt. Mais bougez-vous, il y a toujours quelqu'un. Sous-sol. Alors, porte du dragon aquatique. Ok. Oh. Brassimeir. Ah bah j'ai choisi le bon. Sa Majesté vous attend à bord du vaisseau V monté par l'échelle avant. D'accord. Et après? Est-ce qu'il est drôle? Ouais, vas-y. Ouais, se balader. Ah, il est bien entretenu. C'est pas trop tôt, t'attendais, hein? C'est qui cause? Franck! Qu'est-ce que tu fais là? On m'a demandé de t'attendre. C'est Bach, il a un plan. Chef m'a ordonné d'être là, mais c'est lui qui l'a demandé au chef. C'est moi, croix. Il ne faut pas abandonner un navire comme ça pour aller se promener, croix. En vrai, je suis à votre service. Grenouille. Ça te ressemble pas vraiment. Elle parle. Allons-y, croix. T'as pas l'air en forme, c'est parce que t'es toujours une grenouille. Je peux la manger? Mais oui, c'est vrai. Ça marche, c'est gentil, merci beaucoup Saiko. Puis bah bon live à toi. Ne t'inquiète pas, crrr. Ah j'y pense. Tant que tu es à bord, tu peux modifier ton équipe en venant me parler, crrr.
s'en va. Tu as choisi notre destination. On va au village des mages noirs sur le continent extérieur. Tu sais plus où on est, appuie sur la touche Select. La touche Select. Voulez-vous le déplacer? Non. Putain, elle est à la bourre, Quina, là. Oh, il y en a à la bourre. Merci, je mettrai pause si je vois quelque chose de suspect. Ça marche. Pas de problème. J'aimais bien ma config de tout à l'heure. Enfin, de l'autre fois plutôt. Qui se trouve être la gare. Et bébé. J'aimais bien. Ah, c'est moi qui dirige, d'accord. Ouais, je trouverai. Kuna, c'est bien si tu veux faire les magies bleues et attraper des grenouilles. Ah oui, bah oui. Ouais, les magies bleues, c'est quand on bouffe et prend au chocographe de neige. Bah, faut que j'aille dans le schnorr, là. C'est vrai. Le schnorr, ça doit être par là. C'est vrai, je pensais déjà plus au chocographe, moi. Où le continent ? Comment on accoste ? Je trouve une plage. Je trouve une plage. Là-bas. Alors, déjà, faut que je trouve... Et je te jure, si je meurs, par contre, ça va chier. Et dans le sud-ouest, là où il y a des petits îlots, trouve des empreintes et va vers l'avant. Dernière petite île. D'accord. Ok, j'essaierai d'aller voir ça. J'essaierai d'aller voir ça sur tes précieux conseils. Oh, oh, oh. Voilà. Vers une forêt, j'en ai aperçu une. Cache. Oh, tiens, si j'allais voir les équipements, tiens, d'ailleurs. D'après une solidarité, mon pote. Saphir, pleine lune, ok. Ok, donc là y'a rien. Y'a rien. Là y'a rien. Je vais le faire. Là, il n'y a rien non plus. Et lui, il est en plein d'apprentissage. Ok. J'ai aperçu une forêt. Ah bah tiens, là. J'irai plus tard. Ouh, c'est quoi ? Rep. Ouh, critique. Ah, oh. Oh. Oh, ça pue ça. Il me l'en veut à mon mage noir là. Ils en veulent à mon mage noir. Les enfoirés. Allô ? Pourriture communiste ? Raté. Ils ont l'air costauds, eux.
Ça pue. Du coup, je vais répondre via le téléphone, ça sera Kubo bien. D'accord, ça marche. Pas de problème, je te remercie. Ouais, ça pue du cul, cette histoire. Ça pue du cul. Entre 1500 et 6000. Mais ils sont en train de me tuer mes persos, là. Tu fais du chacal. Allez. Oh putain. Ouais ouais, très bien. Mais ça sent mauvais quand même, cette histoire. Oh là 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 là. Je vais crever là. Je vais crever là. Voilà, j'ai touché à quoi moi? Et si... Pour voir. Arrêtez de me taper! Pas du gentil. Ah putain, si je pouvais en tuer un déjà, ce serait pas mal. Non, mais non, pas lui! Oh. Commande bloquée, Dagal mag concentré. Quoi? Je crois que j'ai fait une connerie en l'utilisant elle, en la prenant elle. J'ai fait une grosse bêtise. C'est quoi mythe? Ah ouais, mais voilà. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ils sont tous en train de crever. Eh merde. J'aurais peut-être pas dû y aller maintenant, en fait, ici. Elle est tétanisée. Oh merde. Allez, on se tire. Si on peut se barrer. C'est une catastrophe! Il a dit que ça redonnait combien? Ouais, ça va. Moins efficace hors des combats, ouais, bah, comme ça on... Oh putain, ça redonne que 300 quoi. La loose! C'est la loose, les amis, c'est la loose. Il y a un truc là-bas, tiens. Alors, choco-légumes. Alors, le truc de la neige, c'était... Là. Non, c'est pas le bon bouton. C'est pas là. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est?
dans ce sens-là. Putain, si ça se trouve, je suis pas au bon endroit. C'est quoi ce truc? Quoi? T'es pas, t'es... Mais merci ma sœur, mais t'étais pas déjà réabonné? Merci beaucoup. T'es folle. Complètement taré. Que les mois passent vite, capap, petit passage éclair Shadow 3105 Love Shadow 3105 Love Shadow 3105 Love. Merci beaucoup, ma sœur. Ouais, c'est ma sœur. Elle exagère. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Je te fais plein de bisous. Et quand est-ce que ton fils il repasse là? Parce que ça fait longtemps qu'il est pas venu me voir. Mon neveu. Il est plus YouTube, je m'en fiche. Si, mais comme j'avais pris 6 mois d'affilée, ça compte même si tu streames pas. Quoi? Attends. Ah oui, d'accord, donc en fait, là, ton troisième mois, ça fait partie des 6 mois que tu avais déjà pris, c'est ça? Je sais pas trop comment ça marche. À ce niveau-là, j'avoue que je suis un peu largué. Ah, d'accord, et c'est à toi de réactiver le truc, en fait. De réactiver l'abonnage. Ça doit pas être dans le coin, c'est pas possible. Il doit y avoir un autre truc. Et un autre endroit. Non, mais j'avais reçu genre la semaine dernière pour les 2 mois. Mais oui, exact, oui. Exact, mais c'est ça. Mais c'est ça. Vous êtes folle, madame. Ça doit bien être dans le coin-coin. Ah! Putain. J'ai mis du temps. J'ai trouvé un trésor! Boca x5, d'accord. Maxi potion x7, très bien. Tente x3. Carte aérothéâtre, c'est quoi ça? Ah, la carte. Carte du jeu. C'est quoi ici? Un endroit où il fait pas chaud. Gaza Est. Ou l'est de Gaza, au choix. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il fait froid. Alors, gamin, on est venu voir l'île de lumière? Qu'est-ce que c'est? T'es pas d'ici, pas vrai? Reviens. Et t'es pas obligé de stream FF quand je suis pas là. Mais je sais pas quand t'es pas là, moi, en fait. Je sais pas. Va sur l'île du bas. Non, mais... Je me suis trompé. Je voulais me remonter sur le chocobo. Bah, ce soir, je suis pas là. Ouais, bah, ça, j'en savais rien. Ah, mon chocobo, il est foutu. Il est foutu, je peux pas le récupérer. Merde. Je fais de la merde. Ni demain. Bah, demain, de toute façon, je suis pas dispo. Normalement. J'ai pas de nouvelles, d'ailleurs. Mais normalement, je suis pas dispo. Sud-ouest avec le bateau. Mais là, ça va être chaud parce qu'il faut que je retourne au bateau. Si je retombe sur les bestioles volantes, je suis dans la merde. Et ce week-end, je suis pas là non plus, tiens, d'ailleurs. Donc ce sera plutôt la semaine prochaine dans ce cas. Mais tiens-moi au courant, à la rigueur, quand t'es dispo. Mais moi aussi, je te fais des bisous. Une petite île avec des enfants. D'accord. Mais attends, déjà, je vais atteindre le bateau. Ça va être une mission. Ça va être une grosse mission, je le sens bien. Parce que là... Ah, je peux peut-être récupérer mon chocobo? Non? Oui? Non?
Non. 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 Non, non, non. Non. C'est l'avantage, je veux quand même me casser, je m'en bats les steaks. Ils vont me tuer encore. Je m'en vais. Au secours. Foutez-moi la paix. Merci. Bon bah tant pis pour le chocobo. Fait chier. Fait chier. Alors le bateau est là-bas. Non. J'en fiche d'avoir l'avantage, on s'en va. Ils sont un petit peu balèzes par rapport à moi quand même. Youhou. Ah ouais, mais je perds du pognon en plus, j'avais pas vu. Jaloux. Lose. Ils vont pas me laisser le choix. C'est quoi ce machin? Je peux le battre au moins. Oh oh. Et il m'a pété dessus. Il m'a chié dessus même. Le vilain. Allez les gars, débarrassez-vous de ça là. On va faire du poulpe grillé. J'avais pas vu le nom en plus, poulpe ce lila. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi Bibi, lâche-le. Oh, il a piqué de la ville, bâtard. Ça a pas suffi. Dans ta face, le poulpe. Je voudrais quand même m'en aller de cette île. J'aime pas trop cette île. Allez, le bateau. Je te vois. Je te vois, le bateau. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Alors, sud-ouest, t'as dit. Sud-ouest, c'est par ici. Donc là, il y a une île. Oh, Skizo! Y a un truc là. Ça doit être ça, l'île de lumière. Alors une petite île. Ça c'est une grosse île ça. Ça c'est une petite île qui n'a pas d'empreinte de Kokobo. Ah oui, d'accord, ouais. Tu m'observes? Ah merde, bah tu dois pas observer quelque chose de super bien. Tu vas bien? Allez, je vais faire le tour par là-bas, je pense. Ouais, ouais, tout en bas à gauche, mais ouais, c'est moi qui me suis planté. C'est marrant, je me rappelle plus du tout de ça dans FF9. Bah moi non, moi oui non. Enfin si, je l'ai peut-être déjà vu quelque part. Alors. Là il y a une île. Il y a un creux. Il y a un creux dans ce style là, c'est chelou. Ah là! Très bien. Mais non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Je me suis trompé! Je me suis trompé. On s'en va. J'espérais ne jamais retrouver en face de lui. D'accord. On se tire. Oui, 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 je sais, on va. Je me suis juste trompé de bouton. Alors, choco-légumes. Tu l'avais fait, toi? Je savais pas que tu l'avais fait FF9 Schizo. Ah ouais, bah je n'en savais rien du tout. Petite plage. La plage de Lilo est un endroit très agréable. Autour
autour du continent de la brume, il a tellement d'îlots, ils sont tous... Il y a fort, fort, fort longtemps, ouais, j'imagine, sur la PS1. Est-ce que ça pourrait être ça? Ça ressemblerait fort à ce style-là, là, mais je peux pas y aller. Non, pas forcément. Pas du tout jouer en fait. Faut faire le tour comme ça. Ah putain, faut faire le tour comme ça. Cette vue là du tout. Je suis au bon endroit là. Je suis pas du tout au bon endroit là. On dit qu'il y a des guets étendus quelque part, il y a peut-être un rapport avec ce que tu recherches. D'ailleurs, ça me rappelle le Jidan de mémoire, je l'avais appelé Zizi, car ça me faisait rire. Meurs de rire, j'étais jeune. Tu sais, mon Skido, mais t'as vu que même à ton âge, là, tu mettrais Zizi. Pas pourquoi. Si Chocobo n'est pas assez grand, il marche très lentement. Tu peux changer d'angle. Il n'y a pas grand-chose ici, je suis à l'aise. Ça doit pas être ça. Ah, ça. Merde, non. Non, non, reviens. Ce serait plutôt un truc de style. Hein. Ouais, non, peut-être pas. Merde. Faut faire le tour par la droite. Attends, le tour de quoi ? Autour de ce boudil là. Je suis au max. Ah mais attends, il y a un trou là-bas au fait. Je voulais aller voir moi. Se trouve, c'est pas une bonne idée. Hein. Baie des chocobos, c'est une très bonne idée. C'est qui ce chocobo? Où est Choco? J'ai pas tout compris, mais c'est bien Choco. Vraiment, Kubo? Comment? Bon sang, mais c'est bien sûr. La légende disait vrai, Kubo. En fait, on cherche le paradis. La légende dit, les chocobos élus évolueront et conduiront leurs cavaliers au paradis. Kubo! Vu ce qui lui est arrivé, il va évoluer jusqu'à ce qu'il trouve le paradis. D'accord. Dis-moi plutôt ce que tu fais là. J'ai fait des recherches sur la légende et je suis arrivé ici, Kubo. Un endroit calme et baigné de la même lumière, ça donnerait presque envie de pisser le son de l'eau qui coule. Je dirais quand tu pisses de haut. Un endroit calme et baigné de la même lumière que la forêt. Il y a sûrement des chocographes, Kubo. Oh putain, faut creuser. Encore une séance de creusage. On veut aller au paradis tous les deux, il faut creuser un peu ici aussi, Kubo. D'après ce que j'ai vu, le fond de l'eau est le plus dur que le sol de la forêt, Kubo. On pourra fouiller que les hauts fonds. Choco a peur quand il a papier. C'est un peu petit pour une fouille. Allez, je divise la durée et le prix par deux, Kubo. D'accord. Allez, creuser.
C'est parti. Ok. Pardon. Oui, ok, pardon. Un chocographe. Ouais. Yeah, baby. J'imagine qu'il faudra revenir plus tard quand il sera un peu plus évolué. 25 points, 2 points, 27 points de plus. Ouais. Juste pour voir. Ah oui. Ouais, je suis loin quand même. Je change rien du tout, mon pote. On va creuser. Et c'est parti, séance de creusage. Ça va être chiant à regarder. Mais bon. De Vinci va la vie. Vieux Léonard que jamais. Et creuse, mon pote. Et ça va te faire le bec en plus. Ouais, 200 giles, c'est pas mal. Allez, allez, vite, 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 vite. Une gemme, très bien. Ah ouais, c'est chaud quand même. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de chocographes parce que c'est long. Ça risque d'être long. Ça risque d'être très long. Allez, mon petit bonhomme. Ah, putain. Il est où? Mais voilà, trop tard. Oh. Entre 5 et 10. Bon, j'en ai eu, hein. C'est déjà pas mal. Allez. Tu peux le faire. Putain, et l'autre fois, je sais plus combien de temps à tous les avoir, là, les 8. Bah alors. Ah bah quand ça veut pas. Ok. Toujours un seul chocographe. C'est pas grave. Je suis pas loin. Yeah. Potion. Bon, c'est toujours cette prise. Là, faut pas faire beaucoup de découvertes hein, à la suite. Oh, mais c'est chelou. Ça va être très long. C'est pour ça que tu m'avais dit de venir là avec le chocobo, en fait, Saiko. Yeah. Très bien. Ah, putain de pute. Allez, allez, vite.
des embrouilles. Ça fait quoi des embrouilles? Bah ça des embrouilles. Ah d'accord. Ça peut aller jusque... Ah putain, ça peut aller jusque là. La blague. Ah putain. Non mais je l'avais. Je l'avais sans déconner. Un peu punitif le truc là. D'où le truc. Super, un peu de légumes. Allez, 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 allez. Chocolat légumes. Ouais, cool. Un bec plus dur. Pourquoi il y a eu un chocolat légumes qui a eu plus de points que l'autre? Bizarre. Ça devrait aller un poil plus vite là. Oh. 50 giles. Ouais, super. Allez, allez, tu peux le faire. Voilà. On peut repousser. Ah non. Ah, merde, j'ai reçu un message. Tant pis. Bon bah je serai là demain soir apparemment. Cool. Ce sera peut-être une séance creusage, qui sait. Parce que là c'est bien parti pour que je termine le live sur de la creuserie. De la creusation. Ou du creusement. Oh, dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah voilà. Allez, t'es où toi? T'es caché où toi le truc? Eh ben. Allez, allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. 3, 2. Ah putain! Je l'ai eu. Et de 2. 2 chocographes. Sur 5 à 10. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Allez. Oh, t'es où là? J'aurais mis le temps. Chier le jeu. Bah chier le jeu. Qui c'est qui fait tutut? Pourquoi il y a tutut? Pourquoi j'ai tutut? J'ai rien fait. C'est pour chez moi en plus. Du tutut sur Discord. Je sais pas qu'est-ce que c'est. The Creuse, s'il vous plaît. Allez. Oh, Schizo, t'es encore dans le coin? J'ai une question à te poser. J'aurais mis le temps, là. Super, un chocolat légumes. Ouais.
Je suis sûr que c'était pas un chocographe. Oh. Ah, ça peut en être un. Et le 3. Hey, il est caché où? Reviens, c'est un peu tard, les gars, là. Ah non, plus. Sur le fil. Ouh. Sur le fil. 512 points. C'est nul. Allez. Pose de 11 à chaque fois. Ça va un tout petit peu plus vite, mais c'est vraiment léger. Hein. Ah. Pièce de chocographe. Pièce. Okay. Je veux un chocographe entier, pas une pièce. Fous de ma gueule. Il est pas gentil le jeu. Il m'aime pas. Le jeu ne m'aime pas. Par ici. Ouh. Allez Choco, on y va. Des embrouilles, ouais. Quoi? Quoi? Ouais, je me le demande. Je ne sais pas qui m'aime, ouais. Le jeu ne m'aime pas, ça c'est sûr. Je sais même plus combien j'ai eu de chocographe 2, je crois. Allez, le truc. Ah, trouve-le ! Relou. Choco, t'es relou. Voilà un chocographe. Oh, le bec de chocobo est plus... Le choco est plus dur. Je veux pas savoir. Ah. On pourrait aller visiter la forêt ou chercher des trésors avec les chocographes. Quelle forêt? Ouais, mais il y en avait que 3, t'as vu? Il y avait que 3 et une pièce de... Une pièce de chocographe. Attends mon pote, on a trouvé des trucs. Tu ne peux pas nager dans une autre froide. On dirait une rivière, tu pourras deviner son emplacement, mais elle est dans un lieu peu connu. Oh, ça va être chiant. J'aime pas trop ce genre de jeu, parce que je trouve ça dur. Pas loin d'ici, tu trouveras une ville où l'on ne voit jamais le soleil se lever. Je vais lui mettre un endroit agréable. Et... Péninsule du Sud. Ah ça, je dois pas être très loin. Je dois pas être très loin de ce côté-là. Allez, on va visiter. Est-ce que ça ressemble à... Ouais, non, ça ressemble à rien. Ça ressemble pas du tout à ça. C'est un chocobo. Il est con ou quoi? Il est complètement con. Il est n'importe quoi. Il court là où il peut. Il peut pas nager. Il ne sait pas nager même. Bon bah voilà. Je les récupère mon bateau et je me casse hein, parce que c'est bon. Hein. Ça... Comment ça bien fait hein? N'importe quoi, hein. Aller dans la forêt, bah non, j'aimerais bien, je voudrais y aller dans cette forêt, ça se trouve c'est hyper intéressant. Mais
Mais je ne peux pas y aller. Ouais, je me tire, j'en ai marre. Laisse-moi aller sur mon bateau. Je sais que c'est un choc à pic. Allez, on se tire. C'est bon, j'en ai marre. Oh, il y a un truc là. Maître Gims. De quoi, Maître Gims? Qu'est-ce qu'il dit? Parle pas de choses qui fâchent là. C'est de la merde, Maître Gims. Oh, bah je vais aller là, tiens. Je me tire. Ah, mais non, attends, si je veux changer, faut que je. C'est relou. Et la grenouille. Ouais. Je préfère sa version Sam Vénère. Maître Gims, tu préfères le Sam Vénère de Maître Gims? Alors que Sam Vénère de Maître Grims, carrément mieux. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Ouais, je préfère. Non mais oh. Arrête de me reprendre, je te reprendrai tout le temps. C'est nécessaire, gamer con. Ouh, les grenouilles! Didane, je peux attraper des grenouilles, miam! Encore? Bon, mais pas longtemps. Merci, miam! On dirait toi, t'as vu? Hop là. Allez, vas-y, reprends-moi alors. Facile. Facile. Eh, les grenouilles. Sur ce, bonne soirée. Ah, tu t'en vas? Eh, bon live. Ouais, parce que je te regarde en l'heure, mais... ouais, ça marche. De toute façon, d'ici à peine une quarantaine de minutes, je vais m'arrêter. Après, amuse-toi bien avec ton choc à pic. Ouais, mais si. À plus. À prochaine. J'ai fait des progrès avec Quina. Ouais. Quoi? Quina, j'aurais dû l'appeler gamer con. T'es rapproché de la voie de la nourriture, je te le donne avec joie, merde. Ouh, une arguette. De quoi non? Merci, maître Quel. Bien, je vais encore m'entraîner. Bien. Hop là. Et voilà le travail. On se tire. Je fais comme dans l'infanterie et je me tire à l'air. Ça suffit, bien. Ok. Non. Arrête avec les grenouilles. Non, ça suffit, monsieur. Monsieur, dame. Ah, d'accord. En fait, il n'y a que ça à faire. Ok. Très bien. Très bien. Oh. Bonjour, plein de choses. Où je dois aller? Bah oui, ah, on a chacun une vie. Allez dans l'atlas, appuyez sur la touche sec pour découvrir la grande carte. Et regardez bien les endroits où vous êtes déjà allé et ceux où vous devez aller si vous les connaissez sont marqués d'un point blanc. Et fort. Merci, maître Mog. Allez, on se tire. Putain, je suis déjà allé dans plein d'endroits en fait. Où le village des trucs? Je m'en rappelle même plus. Faut-il village des mages noirs? Faudrait que j'aille par là, d'accord. Tout, tout, tout. Allez, Cassos. Je vais me tirer de l'autre côté, tiens.
Quel beau paysage. Enfin, à peu près. C'est quoi ce truc? D'accord. Merde. Ça a l'air d'être rien. On s'en va ailleurs. J'appelle tout le monde. Tout le monde. Et je vais aller par là. Où il va se passer des choses. Comme les trucs et les machins et les bidules. Longue plage. Juste me balader pour l'instant, un petit peu, faire le tour de cet endroit là. Oula, je sais pas conduire un bateau moi. Ah oui, d'accord, je vois où on est. Très bien. Ok, ça c'est le marais. Moi, je veux aller là. Est-ce qu'il faut que je fasse le tour ou pas? Est-ce que je peux passer sous le truc ou pas? Oui! Faire le tour, on verra bien. Si ça se trouve, j'ai fait le tour pour rien. Ce qui est fort propre. Ah, peut-être pas. Peut-être que si. Elle est où la forêt des mages noirs? Elle est là. Ouais, il doit y avoir un truc caché dans le coin-coin. Pour qu'il y ait des traces de chaud de pas de chocobo. C'est où le bordel des mages noirs? Ah, c'était par là. Très bien. Bah, je vais y aller. Allez. Quoique, je vais essayer d'attraper des grenouilles encore, vite fait. Ou je vais me battre. Au choix. Bonjour, vous. Vous me faites moins peur. Mail. Très bien. Allez. Ça fait pas grand chose, hein. Oh bah ça redonne de la vie, tiens. Ah, raté. Je sens qu'il va crever là. Merde. Je voulais le bouffer, moi. Tant pis. Je le mangerai pas aujourd'hui. Allez, on va bouffer de la grenouille. C'est bon les grenouilles. Enfin, si je trouve l'entrée, voilà. Tidane, Pedro, j'ai déjà fait. Pas longtemps. Merci. Allez. On va essayer de les choper. Oh là, la dorée là. Oh putain. Tiens, je t'ai chopé. Voiture communiste. Toi aussi. Non, je l'ai relâché sans le vouloir. Crétin. J'ai fait des bêtises. Je
Ok. Je vais essayer de choper une dernière avec la ligne noire là. Raté. Putain, j'ai failli l'avoir. J'ai pas appuyé moi. Yeah, baby. Très bien. On s'arrête là. C'est fini. Doum, 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 doum. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Village des mages noirs, donc c'était par ici. Dans mes souvenirs en tout cas. C'était là-dedans. Ouh, les gobelins. Vous allez mourir, les gobelins. Bon, on va voir si je peux le bouffer, lui, pour voir. Oh non, il se met invisible. Tricheur! Pas gentil, hein. Il veut pas donner à manger à Kuna. Ah, si. Ça a marché. Cool. Étrange. C'est très étrange, tout ça. Oh, compétence plus, très bien. Qu'est-ce qui te donnait compétence plus ? La robe en soie. Hop, tu vas prendre ça. Et tu vas prendre ça aussi, tiens. Oh, c'est joli. Alors. On va essayer de le bouffer, lui, cette fois. Bon, bah, ça sera pas pour cette fois. Visiblement. Ah, Taras qui a pris Nuit Blanche. Très bien, très bien, très très bien. T'es déjà sur contre-attaque. Ouais, mais ça. Un peu plus de force, un peu plus de défense, un peu plus de protection, mais moins d'espoir. Ouais, c'est pas grave. On est au niveau de l'apprentissage, toi. Ok. Allez, on arrive au village des mages noirs. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais les chercher. Ok. Il y a personne. C'est moi qui lui fais battre de l'aile, mais ça n'a aucun intérêt, visiblement. À moins de le faire 2653 fois. Ça va être un peu long. Ouh, un mug. Bonjour. Il y a de moins en moins de courriers en ce moment. Mais pour Kubo, vous portez une lettre de Mok à Mokdon. Ok. Pas fait de sauvegarde depuis un moment. La porte est verrouillée. Peut-être en faire une là. Juste histoire de. Ok. Point, point, point,
Alors. Il n'y a personne. Personne. On peut dormir gratos, les gars. Yeah. Profitez-en. Ils veulent pas. Le plus simple. Alors, l'après-midi, ouais. Ouais. D'accord. Ah, il y a un coffre là-bas, je l'ai déjà pris. Je l'ai visiblement déjà pris. On va grimper. Truc là, je vois un truc chelou, mais j'ai pas accès. Ça se trouve, c'est un coffre que j'ai déjà ouvert. Y a rien, y a rien, y a rien. Ok. Ah. Où sont partis tes amis? Tout le monde est parti avec Kuya. Seuls les deux amis qui s'occupent du Choco bébé, et moi sommes restés au village. Pourquoi ont-ils suivi Kuya? Tous mes amis ont pris conscience de la limite. Kuya leur a promis de prolonger leur durée de fonctionnement. Il a abusé de leurs points faibles. Je comprends pas. Pourquoi ils font confiance à Kuya? Ils ont oublié combien il leur avait fait du mal. Ils nous traitent comme des objets. Nous ne serions que des objets fabriqués pour obéir aux ordres des hommes. Mais arrête, c'est ça. Où Kuya les a-t-il enlevés? Emmener, je ne peux pas te le dire. Je ne veux pas trahir mes amis. Alors pourquoi tu restes ici? Tu m'as dit qu'il y en avait encore deux autres? Hé, hey, Bibi! Tu parles plus. Bon, moi, je me casse. Par contre, ils sont où les deux autres, là? Parce que, je veux dire, j'ai fouillé partout. J'ai vu personne. S'il faut que je cours après Bibi, putain, je suis dans le caca. Où est-ce que je suis pas allé encore? La porte qui était fermée. Ah. Ouvrez-moi! Bibi. Ouvrez-la! Ah, Choco bébé est sorti! Ah. Attendez! Bah, moi aussi, je veux rentrer, les gars, là, m'oubliez pas. Il est sorti. Vraiment, il est sorti. Il est sorti, vraiment. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec Kuya? Parce que nous devions nous occuper de l'œuf de Chocobo. Nous voulions aller avec eux, mais nos amis nous ont demandé de nous occuper de l'œuf. Je l'ai gardé et l'ai couvé. Bah d'accord. Je vais montrer le petit à nos amis. Nos amis seront contents de le voir. Et nous devons lui donner un nom. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Je me sens aussi. Ils sont en train de crever? Tu es resté ici parce que tu voulais pas laisser l'œuf tout seul? Je ne sais pas pourquoi. J'avais vraiment peur de m'arrêter. Je voulais avoir recours à Kuya. Mais j'ai pensé qu'il y avait des choses plus importantes. Et je peux te poser une question? Oui. Je m'arrêterai un jour moi aussi. Je ne sais pas. Kuya disait que les prototypes de mages fonctionnaient plus longtemps que nous. Oh vache. Mais on s'arrêtera quand même un jour. Quand mon grand-père est mort, je me suis demandé que voulait dire sa mort. Il m'avait dit, Bibi, je mourrai un jour, mais ce n'est pas une chose triste.
Alors je pensais que si sa mort me rendait triste, c'était de ma faute. Quand on m'a raconté que des mages s'arrêtaient, je me suis pas senti triste. Je savais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai réellement ressenti? Quand la mère de Mzel Daga est morte, en la regardant pleurer, j'ai pensé que c'était ça la vie et la mort. J'ai pu penser ça parce que je ne suis pas une arme et que j'ai un cœur à moi. Je comprends pas beaucoup de choses, mais je suis content d'avoir compris un peu ce que je suis. Donc, je supporte pas ce Kuya qui nous traite comme des armes. Si les mages noirs se laissent pas avoir par Kuya, ils comprendront qu'ils sont pas des armes. Bibi. À l'est de ce continent, vous trouverez la base de Kuya. Partez en bateau vers le sud du continent et cherchez l'endroit où débouchent les sables mouvants. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'un jour nous serons aussi forts que vous? Ça, c'est une bonne question. Oh. Bibi cherche une réponse à ces questions, putain. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Avec Jidan, je pensais que je changerais. Devenir la reine d'Alexandrie aurait dû me rendre plus forte. Mais rien n'a changé. Je ne connais toujours pas le monde et ne sers toujours à rien. Ne pensez pas que Bibi songeait à des choses pareilles. Daga? Tu as entendu Daga? Maintenant il n'est plus peureux. Daga? Tu penses à ce qu'il a dit? Bibi, toujours Bibi. Personne ne peut te remplacer, Daga. C'est rien, t'en fais pas. Ah, Zidane! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Allez, on y va. On va à l'est du continent, là où arrivent les sables mouvants? Oui, à la base de Kuya. Kuya, Kuya, Kuya. Eh ben. Baston! Oh, je vais essayer de le bouffer, lui. Manger, manger, manger. Fais-le. Non, rien à voir. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ça se trouve, il va crever là. J'aurai pas le temps de le bouffer. Forcément. Bah si. Mais j'ai pas pu le manger. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, ah oui, je voulais manger le facochère. Si je fais ça. Et qu'ensuite je fais ça. Ça devrait marcher. Ah putain, il l'a tué en un coup. C'est nul des fois d'avoir des persos trop balèzes. Oh, Atomos, très bien. Tu as appris Atomos. Ensuite. Beryl, tu vas prendre Léviathan, ma grande. Ça va être cool, Léviathan. Alors, ils ont dit à l'est. Au sud, à l'est. Non, j'ai rien compris. Là où les sables mouvants se rejoignent. C'est quoi cette histoire? Ce serait par ici? Ah putain, ce serait là. Peut-être y aller à d'autres chocobos. Hein. Si je peux. Zub, j'ai.
quoi ces trucs? Il se passe quelque chose, mais quoi? D'accord, mais alors attends. Fifi! Il se passe un truc bizarre. Est-ce qu'il faut que j'aille à pied? Alors attends. Oublié, on dit qu'il y a des gays étendus quelque part. Peut-être un rapport avec ce que tu cherches. Faut d'abord chercher des trésors sur les petites plages. J'arrive pas à savoir où c'est ça. Si c'est dans le coin-coin ou pas dans le coin-coin. Pas l'air d'être dans le coin-coin. Alors, attends. Oups. C'est quoi ce machin? Il a pas l'air gentil. J'aurais peut-être dû sauvegarder. J'ai fait du caca. Je voudrais invoquer... c'est qui lui? Atomos, tiens, on va rigoler. Oh putain! Sirocco, c'est quoi ça? Du vent? Ah, nique ta maman! Je vais crever. Je vais crever! Ah putain. Bon bah on va mourir hein. Oh. On dirait une porte des enfers. Un donut. Ou un bagel. Réduit à néant. Oh la vache, ça y a fait, ça a rien fait du tout quoi. Bon bah je suis mort. Léviathan, on sait jamais, sur un malentendu. Ah, les invoques sont quand même pas dégueu, hein, même pour l'époque. Hein. Allez, dis-moi que ça te fait quelque chose, on dirait une moitié de citron. Oh putain, ça lui a redonné de la vie. Aucun intérêt. Bon bah tu l'as. Voilà. Et merde. Vous êtes mort. Bah ouais, merci hein. Ça va me faire reprendre où ça? Ah putain, loin. Putain.
Bon, note pour plus tard. Sauvegarder. Sauvegarder un peu plus loin. Donc, si je veux le bouffer, je l'attaque avec Jidan. Peut-être. Allez, vas-y, bouffe-le. Bouffe-le, 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 bouffe-le. Voilà. Je l'ai pris ma tragique. Je sais pas ce que c'est, mais je l'ai pris. C'est vraiment aléatoire, hein, les combats. Tout à l'heure, j'en avais déjà fait deux. Allez. Cette fois, on sait où on va à peu près. On va sauvegarder un peu, ça c'est sûr. Donc, c'est dans le coin-coin. Est-ce qu'il y a des sables au vent là-bas? Je vais utiliser une toile de tente parce que je suis fatigué. Je vais sauvegarder parce que c'est cool la sauvegardage. Allez, c'est... Ah, fous-moi la paix. On va aller voir ce qui se passe, j'allais dire. Ah, je voulais te bouffer toi tout à l'heure. Allez, Jidan. Coup de queue. Allez, bouffe-le. 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 Faut l'affaiblir avant de l'avaler. Bah oui, mais oui. Si je les laisse attaquer les deux autres là. Ah, Mistral, très bien. Je sais toujours pas ce que c'est, mais je l'ai. Atomos. Putain. Je ferais bien apprendre Shiva plutôt que Léviathan là. Dans le désert, ça peut être pratique. Ah, c'est quoi ce truc? Je peux me tirer ou pas? Oh merde. Voilà. Allez. Essayez de se tirer, les gars. Yeah, on s'est tiré. Ouais, j'ai perdu du pognon. Allez. Ah, mais en fait, pour entrer, je suis... Ah, putain, c'est ce truc-là. Et je peux pas m'en aller. Eh bah, je suis dans la merde. Ouais, mais non. Putain. Allez, tue-moi. Voyons voir ce que vaut Shiva, je me souviens plus à quoi il ressemble.
Bah oui, il va le rater. Je recommence. On sait jamais, sur un malentendu, on peut la niquer. Façon de parler, bande de dégueulasse. Magie bleue, tiens. Réduit la défense de l'adversaire. Réduit les HP à 1. Ah putain, c'est ça que j'aurais dû faire. Inflige les dégâts égaux à la différence entre. Voir ce que ça donne. Si ça marche. Si je meurs pas. Ah putain! Nique ta maman. T'as le faire monter à 4, c'est bizarre. J'ai gagné. D'accord. Ça m'a tué mes gens. J'ai gagné, mais ça n'a servi strictement à rien. Me reposer. Faut trouver le bon trou. C'est dégueulasse. Visiblement, c'était pas celui-là. Je vais tenter l'autre, ça marche tant mieux, ça marche pas, je m'arrête là pour ce soir. Non, c'est... Ah mais il y en a trois. Je vais tenter celui du fond là. Ah mais il y en a quatre. Bon on verra. Hey c'est de plus en plus amusant maintenant, j'étais sûr que vous viendriez ici. Les choses se passent exactement comme je les ai prévues. J'ai trouvé, je l'ai pas fait exprès. Hé, hey, Judan, réveille-toi. Ah, Sid, qu'est-ce qui s'est passé? On est où? Je sais pas. On est arrivé à l'endroit que les mages noirs avaient indiqué et puis on a sauté dans le sable. Mais après, je me souviens de rien. Moi non plus, quoi. J'ai repris conscience, j'étais déjà ici avec toi. Et les autres? Je ne sais pas, quoi. J'espère qu'ils vont bien. Avez-vous bien dormi? Cette voix. C'est toi, Kuya! Je suis vraiment heureux de te revoir, Didan. Arrête ta chanson, espèce de malade. Qu'est-ce que t'as fait de mes amis? Voilà un homme courageux. Tu aimes bien réprimander les autres. Ne t'inquiète pas pour tes amis, ils sont à l'aise dans une chambre identique à la vôtre. Et maintenant, je dois vous expliquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quelle que soit votre résistance, si vous tombez ici, vous n'avez plus une chance. Sale type, tu me le paieras. Oh, tu as l'air fâché. Maintenant que tu as compris la situation, tu vas pouvoir me rendre un petit service. Je t'assure la vie de chacun de tes amis. Tu peux l'accepter? Bon sang. D'accord. C'est bon. J'accepte. Très bien, j'étais sûr que tu accepterais. Allez, sors. Je te confie nos amis, Sid. Compte sur moi, quoi. Promets-moi de revenir. Je te le promets, t'inquiète pas. À tout à l'heure.
Quoi, ce sont des portes? Rien à voir. Bon, bah, on va aller voir ce qui se passe. Oh putain, des mages noirs. Il y a aussi des mages noirs ici. Mets-toi entre ces deux mages, juste au milieu. Plus. Je veux m'en aller. Eh, hey, salut. Bienvenue dans mon splendide château. J'en ai rien à faire de ton cinéma. Dis-moi ce que tu veux, vite. Oh là là, tu es bien sérieux. Bon, je voudrais te demander d'aller à un endroit et d'y trouver un objet. Qu'est-ce que je dois aller chercher ou... Dépêche-toi. Surveille ton langage. C'est moi qui veille sur tes amis. L'aurais-tu déjà oublié? Pardon. Saleté. Oh, saleté. Ils auraient pu mettre un gros mot. Un peu plus. Plus mieux, tu vois. Enculé de ta mère, ou je sais pas. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? D'accord. D'accord. Il se passe de drôles de choses. Bref. L'endroit où je veux, où je te demande d'aller s'appelle... Euhiver. C'est où ça? Euhiver se situe au sud de la passe de Sirwez sur le continent oublié. Je ne peux m'y rendre en personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il paraît que Hiver a une bonne protection contre la magie. Alors un imbécile incapable d'utiliser la magie comme toi est tout désigné pour satisfaire cette demande. Pourrais-tu aller chercher le roc de Goulg là-bas? Qu'en penses-tu? C'est facile, non? J'ai préparé un vaisseau de luxe qui t'emmènera jusqu'aux environs de Hiver. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à partir d'ici à pied. Mais si tu es tout seul, cette course pourrait te coûter la vie. Emmène trois de tes amis, ce sera plus prudent. En effet, personne n'aime se battre contre soi-même. Quoi? Oublie ce que j'ai dit. Si tu as choisi tes compagnons, dis-moi leur nom. Je vais me refaire mon équipe sympa, là, j'aime bien. Bibi, Tarask et Daga. D'accord, je vais les faire amener ici. Bibi. Tarask. Daga. Vous trois, sortez. Marchez jusqu'à l'endroit où les couloirs se croisent. Ils se mettent déjà en position. Tu ne nous demandes pas pourquoi nous faisons une chose pareille. À votre place, j'aurais peut-être fait la même chose. C'est comme des retrouvailles après de longues années. Allez, viens ici. Tu tiendras ta promesse? Mais oui, bien sûr. Fais-moi confiance. Qu'ils sont naïfs. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors en théorie ça a sauvegardé, mais je vais essayer de trouver un mug. Hein. C'est quoi? C'est ça l'île de garde 1?
Désolé, mais j'ai ordre de ne laisser passer personne. Ah, pardon, d'accord. Mais... Je monte sur un vaisseau, il y a un combat. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce donc cette diablerie? Comment me bloquer? Daga mal concentrée. Comment me bloquer? Mais comment ça me péter les couilles cette daga là? Oh putain! Si on peut voler un truc à toi là. Éther. Toujours ça te prie. Ouais. C'est ça que je veux voir. Ok, ça part tout seul. Très bien. Je peux pas bouger la caméra. J'ai pas accès à la carte, je ne sais pas où je vais. Hop 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 ouais. L'IFA. On peut vraiment faire confiance à Kuya? Hé, hey, tu m'entends? Oh putain. Ça ne servira à rien. Il ne répond qu'à nos ordres. Quel sale bouffon. Après Branette, vous aidez Kuya? Faites attention à ce que vous dites. Comme si nous étions des méchants. Ne dites pas de bêtises. C'est nous qui veillons sur vos amis, ne l'oubliez pas. Sale type. Les mages noirs ont été créés pour être des machines de guerre. Les trois valseurs étaient de vraies armes. Chacun d'eux avait son propre ego. Par contre, ces mages n'ont pas d'ego particulier. Ils ne font que suivre nos ordres. En plus, les mages sont fabriqués en série et sont programmés pour fonctionner pendant une durée limitée. Ils ne sont utiles que lors des combats. Cela nous étonnerait que ces objets puissent avoir peur de mourir. Ce serait amusant. Mais les mages noirs ne sont que des objets. Vous vous croyez si différent d'eux. Qu'est-ce que vous dites? Comment osez-vous nous dire ça? Comme vous êtes que les instruments de la volonté de quelqu'un d'autre, vous êtes aussi vides que les mages. Et ouais, ma gueule. Est-ce que je me suis trompé? Très bien, nous allons vous faire taire. Pour que vous ne puissiez plus médire. Vous allez le regretter. Mais bon, on se repose un peu. Pilotez avec prudence, s'il vous plaît. Et sinon, on est où, là? Oh, mais j'étais dans le coin tout à l'heure. Continent oublié. Et je dois aller où? On va sauvegarder. Et sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter là pour ce soir. Voilà. Dans les plaines de Brisapa. Okay. Très bien, ça me va. Très bien, parfait. Bon, c'est encore en suspens pour demain soir, je sais pas trop. Peut-être je serai là, peut-être je serai pas là, je ne sais pas du tout. Ça marche, tu t'arrêtes toi aussi, Saiko? Parce que sinon je serais venu te raider un petit peu, ça aurait été intéressant. C'était cool. Sinon tant pis, c'est pas grave.
Pas d'inquiétude. Oh merde, il joue à ça. Il reste un niveau. D'accord. Ça marche. Ça marche, ça marche. Tu joues à quoi au fait ? Je t'ai même pas demandé. Du coup, les corps, on a pas mal avancé dans ce petit jeu. Qu'est-ce que c'est ? T'en fiches. Je suis pas un gros fan des Wolfenstein, j'avoue, en même temps. Je crois que je m'y mette des fois. Des fois, ça peut être marrant. Juste comme ça, en one shot. Histoire de. De faire de la merde et puis. Et puis voilà. Ok, ça roule. Bon, en tout cas, merci d'être passé, Psycho. Merci d'être fidèle, même, j'ai envie de dire. Ça, c'est chouette. Merci à ma sœur qui est passée dans le coin. Merci à Brou. Merci à Schizofrix qui est passé. Merci à GamerCon. Et puis à tous ceux qui sont passés, qui sont restés de près ou de loin. Même un tout petit peu, c'est pas grave, c'était cool. Merci à vous. Et puis passez une très bonne soirée. Et je vous dis peut-être à demain. Ouais, c'est pas grave, je t'ai compris, Psycho, y a pas de souci. Passez une très bonne soirée. Et donc oui, peut-être à demain. Je sais pas, j'en saurai plus demain fin d'après-midi. Bonne soirée à tous. Ciao.